Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivité de fin d'année. Eh bien, j'organise, comme promis, un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. Deux d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. Deux autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent on va sonder les énergies de cette fin d'année. Et quelles belles énergies pour terminer l'année. Mes chers béliers nous trouvons la très jolie carte du 2 de coupe. C'est l'idée de rencontre, partenariat, association, réconciliation, pardon, euh, paix. Et complémentarité. Donc euh, juste pour vous balancer comme ça des mots-clés, euh, juste pour vous dire ⁇ ça sent bon cette fin d'année ⁇ En plus de ça, on a la carte du Cavalier de Coupe, qui est une invitation à la passion, à la romance, aux nouvelles aventures, à l'idée d'explorer de nouvelles voies. Et on a le chariot, qui peut coupler avec le Cavalier de Coupe aussi euh, nous parler de, euh, de, de voyage et de déplacement. Donc pour ceux et celles qui s'interrogent sur le bien fondé de se déplacer et de se rendre ici ou là pour faire avancer cette combinaison d'énergie, cette force, cette complémentarité ou pour euh, plus simplement euh, euh, rencontrer quelqu'un ou faire avancer une relation, ne vous posez plus de questions, foncez. Hein. Les deux cartes à l'unisson nous dit que ce voyage, ce déplacement euh, vous fera du bien ou sera bienvenu. Et puis si c'est quelqu'un qui s'interroge et qui se dit est-ce que je viens de voir, euh, ouvrez grand votre porte et dites allez viens viens rejoindre cette aventure viens euh, me rendre visite viens nous allons nous rencontrer euh, n'hésitez pas alors pour ceux et celles qui cherchent un boulot ou qui cherchent à évoluer professionnellement la carte du chariot c'est aussi une très belle carte et une très bonne carte à ce sujet même si quelle que soit la situation relationnelle professionnelle ou quoi il pourrait y avoir un, un un faux démarrage, une sorte de raté au début. C'est-à-dire que le battleur que l'on va trouver dans les obstacles peut être l'idée de quelqu'un qui ne se sent pas prêt au principe et qui pourrait vous concerner. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas vous sentir préparé pour cette situation, pour ce projet, pour cette relation, pour cette rencontre. Détrompez-vous, en réalité, cette envie, cette passion que ça va faire naître en vous, elle va tout emporter sur son passage et, et sans doute aussi vos peurs ou votre timidité, votre pudeur ou votre. Sentiment d'imposteur, ça peut être le syndrome de l'imposteur, le battleur. Je suis pas prêt, je suis pas prête, mais vous ne le serez jamais en fait si vous laissez vos peurs vous conseiller. Donc, la carte du battleur, ça peut être l'idée. Allez, il faut mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre, et puis on va avancer comme ça. Et même si c'est difficile au début, qu'on sort de sa zone de confort, qu'on n'a pas l'impression d'être bien armé ou bien outillé, ça va le faire. Ça va le faire, on va y arriver. faut juste réussir à faire ce premier pas. Et une fois qu'on aura fait ce premier pas, il faut se concentrer juste sur le second. Et ainsi de suite, en fait, pas se mettre la pression, d'accord Parce que le batteur ça peut être vraiment, on a le souffle coupé à l'idée de s'engager dans cette situation nouvelle ou de relever ce nouvel enjeu, et donc on, on se sent tout petit, tout petite face à cela, et ça pourrait nous rendre un peu timorés et pas suffisamment audacieux ou audacieuses, et on nous dit, allez il y a tout ce qu'il faut, on va vous prêter main forte, vous allez avoir des gens qui vont vous accompagner, on va vous soutenir peut-être eux-mêmes, donc n'hésitez pas, vous allez voir qu'il y aura plein d'aides sur le chemin. Mais c'est à condition que vous osiez faire ce premier pas. D'accord euh, Le battleur, ça peut être aussi quelque chose qui devait émerger, quelque chose qui devait naître et qui n'arrive pas à voir le jour. Et donc ça pourrait être une déception en soi, et ça pourrait vous freiner. Mais vous inquiétez pas, ce n'est qu'un raté, c'est qu'un faux départ, c'est qu'un faux démarrage, ça tarde à se réaliser, ça tarde à se concrétiser, ça peut être handicapant et paralysant pendant un temps en décembre, mais ça va s'ouvrir. Hein. Cette porte qui vous a été claquée au nez ou qui vous a donné le sentiment d'avoir été claquée au nez, elle va finir par s'ouvrir. Euh, et vous avez de l'aide pour cela, nous dit euh, le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, ça peut être vraiment... Euh, Quelqu'un qui en fait vient vous prêter main forte, qui va être cette force complémentaire dont vous aviez besoin pour atteindre les objectifs visés. Ça peut être l'idée que c'est aussi dans le cadre de cette combinaison d'énergie, donc partenariat, alliance, relation amoureuse peut-être même, on va y venir, euh, l'idée qu'on on a peur au début. En fait, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, que les, les débuts et les prémices sont toujours un peu déstabilisants, déroutants, inquiétants, intimidants, et le deux de coupe nous dit, mais en fait, le reflet que vous renvoie ce miroir, c'est-à-dire ce projet, cette personne, etc., doivent être suffisants pour vous rassurer et vous dire, allez, j'ose, j'ose m'aventurer. Parce que le 2 de coupe, c'est oui, il faut se mettre d'accord, oui, il faut trouver un accord, oui, il faut signer ce, cet accord, euh, oui, il faut s'associer, associer ses forces et se combiner, oui, il faut se réconcilier, oui, il faut pardonner. Hein, la carte du 2 de coupe est vraiment une, une très belle carte et très prometteuse pour les personnes qui ont besoin d'une force, d'un allié ou d'une alliée, qui ont besoin d'un partenariat, qui ont besoin d'un binôme sur qui compter, vous inquiétez pas. Et puis, si vous êtes aussi dans des des échanges euh, dans le but d'une négociation, ça va aboutir hein, très clairement. La carte du 2 de coupe nous rassure à cet égard. Et donc tout cela pourrait se faire avec un signe d'eau, hein, puisqu'on trouve donc ce signe euh, cavalier de coupe, donc ce signe d'eau c'est cancer, scorpion, poisson. Euh, et donc on peut avoir quelqu'un qui arrive avec une proposition, une invitation, une suggestion. Euh, et c'est ça où on pourrait se dire, ouais, je ne suis pas sûr que je suis prêt ou prête ou pas sûr que tout est réuni pour que je me lance et en réalité c'est comme une bourrasque le cavalier de coupe comme un, une bourrasque qui ouvre la porte à toute volée et en fait elle vient et on se laisse porter par hein. donc c'est pas une bourrasque qui fout le bordel <laughs> elle pourrait parce que c'est vrai que le, le cavalier de coupe il y a un côté très puissant dans ce que l'on ressent c'est une invitation à l'aventure quelle qu'elle soit donc on se met en selle on y va et on fonce et il y a cette idée là aussi avec la carte du chariot cette idée de foncer cette idée de se lancer de, de, de de se dire euh, c'est des nouveaux chemins que j'emprunte c'est euh, des voies euh, qui me m'étaient jusqu'alors inconnues donc euh, je, je me lance un sacré défi que euh, d'ouvrir cette porte à cette euh, relation à ce projet à cette idée à cette personne mais il faut y aller en fait hein, vaut mieux y aller et puis se dire derrière bon bah peut-être j'aurais pas dû que ne pas y aller et le regretter euh, pendant des années quoi il y a aussi simple que cela parce que on a vraiment une invitation à presque passer la seconde faut, faut faut se laisser embarquer par cette vitesse, ça va prendre de l'ampleur. Euh, ce que ce cavalier coupe à vous présenter, à vous proposer, eh bien, le chariot nous dit, vous pouvez vous en saisir. Et ce n'est pas parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous, par exemple, que vous êtes forcément tributaire. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite euh, prendre le relais et dire, OK, à partir de maintenant, c'est moi qui lead, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui, qui mène la danse, en fait. Hein. Vous n'êtes pas forcément. Euh, uniquement passif ou passif dans cette affaire. Vous pourriez peut-être être, être vous-même ce cavalier de coupe, c'est-à-dire aller séduire celui ou celle de qui vous plaît, euh, vous déplacer vous-même, voyager vous-même, aller chercher ce boulot qui vous donne envie, proposer cette euh, association, ce partenariat, euh, vous-même faire le premier pas de la réconciliation. Euh, la carte du chariot nous dit euh, que, que vous avez les moyens de le faire. Le chariot, c'est il faut juste réussir à concilier les actes et les pensées dans une même énergie. Une fois que vous êtes arrivé à ça... Il n'y a plus rien qui vous arrête, vous foncez. Hein, C'est vraiment euh, cette idée-là. Et encore une fois, ça peut être vraiment géographique et physique, le chariot peut nous parler de ça, mais ça peut être quelque chose qui avance très vite à toute allure et qui euh, vous embarque euh, au passage. Donc que ce soit quelque chose, que ce soit quelqu'un, que vous en soyez le moteur ou que vous soyez le, le passager, euh, allez-y, foncez. Hein, il n'y a que du beau et du bon euh, à la clé. Et effectivement, on a pour... Euh, avant-dernière guidance, qui est issue pour ce mois de décembre de l'oracle de l'alchimie intérieure, nous avons la très belle carte de l'énergie de l'amour. Donc c'est de l'amour pour ce que l'on fait, pour ceux et celles aussi qui viendraient, on va dire, remuer ce mois de décembre. Et évidemment, ça nous dit qu'il y a... Il y a soit un grand amour qui arrive et qui débarque, et vous allez voir que ce n'est pas la seule carte à le dire. Euh, donc, cet grand amour euh, ou cet amour euh, qu'on va réchauffer s'il était en train de s'éteindre ou euh, ça peut être aussi une passion. Hein, ça peut être un amour pour ce que l'on fait, un amour qui nous porte dans le but d'une réconciliation, mais aussi euh, dans le but de cette euh, nouvelle aventure, de ce nouveau voyage, euh, de ce nouveau boulot. Il y a, a, a l'idée que le cœur est votre guide. Et euh, avec cette carte, il est conseillé vraiment de, de vous féliciter aussi pour qui vous êtes, pour vos qualités, vous accepter tel que vous êtes, pour vos défauts, d'être bienveillant, bienveillante et sans jugement envers vous mais aussi envers les autres. L'amour, c'est aussi, ça se joue euh, à peu près sur tous les niveaux. C'est vous connecter à vous-même, vous aimer, soulager vos émotions et libérer vos peurs et avancer sereinement. Euh, et réagir au monde alentour avec des facultés d'amour. C'est aimer, énoncer votre amour et vous comporter avec paix, pardonner. Euh, euh, Ouvrir votre cœur à, à qui s'approche de vous, euh, et ça va être, vous être rendu euh, au centuple. C'est une très belle carte que vous avez là. Euh, elle est d'ailleurs très belle. Il est très beau cet oracle de l'alchimie intérieure. Et euh, nous avons un très bel oracle également que vous pouvez d'ailleurs gagner et remporter dans le cadre du concours de ce mois de décembre hein, dont je vous parlais en début de vidéo et je remercie d'ailleurs les éditions très Daniel pour cela et nous avons l'oracle donc de l'oracle de Yule la carte de la médecine du cardinal qui vous dit ton sang est sacré un honneur digne des dieux tu vaux toutes les mers tous les cieux et tous les désirs que tu abrites en ton sein. vous valez tellement et plus encore c'est beau comme message effectivement cette carte elle nous parle au fond de um, une association réussie Imminente. Hein, on voit euh, ces, ces deux euh, cardinaux euh, ici, il y a cette idée effectivement de euh, on va émettre une énergie positive et on va demander à l'autre de prendre conscience de notre présence, comme le cardinal le fait qui est en train de chanter pour se faire remarquer. Donc il peut y avoir quelqu'un qui va chanter pour se faire remarquer, mais en tout cas votre futur euh, émotionnel, personnel, même amoureux va être... Euh, sans doute assez extraordinaire au cours du mois de décembre. Donc il y a peut-être une nouvelle relation qui émerge et qui est susceptible de promettre un engagement de longue durée. Mais ça, ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, euh, où ça peut être un binôme entre vous et votre nouvel hobby, notre nouvelle passion, euh, votre nouveau lieu de vie. Mais c'est aussi une carte d'émancipation. Ça nous rappelle que s'associer, ça ne signifie pas pour autant s'oublier. Donc, euh, le couple, etc., c'est OK, on s'y met à fond, mais sans euh, se départir de notre originalité, de notre estime de soi. Hein, ne jamais oublier que euh, notre singularité, c'est ce que l'autre aime, et donc ne jamais s'oublier au profit euh, de l'autre, notamment sur le plan euh, amoureux. En tout cas, c'est le conseil ici de l'oracle de Yule. Euh, n'hésitez pas à me dire mes chers béliers comment cette guidance résonne en vous ce mois-ci en commentaire. D'ailleurs c'est une façon pour vous de participer au concours. Si vous likez aussi la vidéo, que vous vous abonnez à ma chaîne, euh, comme je vous l'expliquais dans le cadre de, du début de la vidéo, pour remporter des tirages, consultations en direct ou même un oracle. Euh, et puis euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si vous ne souhaitez pas participer au concours, mais pour ne pas rater les horoscopes euh, de, euh, de janvier qui seront publiés en décembre et je vais aussi poster au cours de décembre euh, des horoscopes amoureux annuels pour euh, 2025 donc là également N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Puis je vous remercie parce qu'on est près de 44 000 abonnés sur ma chaîne, c'est énorme et plus de 7 millions de vues, c'est encore plus conséquent. En plus en février, je vais euh, fêter mes 10 ans. Et je pense euh, pour euh, l'occasion, eh bien, euh, peut-être me déplacer dans certaines grandes villes, aller même euh, jusqu'en Belgique pour vous rencontrer. Euh, ce serait euh, sans doute euh, très beau, très magique et très charmant. Bon, il faut que je repense à tout ça. Si vous avez des suggestions, des idées, que vous voulez m'aider à organiser ça, n'hésitez pas. Euh, mais je vous parlerai de ça au moment voulu je vous dis à, à très bientôt Alors, en tout cas je l'espère prenez bien soin de vous mes chers béliers et à bientôt